C'est la dernière ligne droite avant la première représentation de la nouvelle pièce de la troupe du théâtre du jeudi. La semaine dernière avait lieu la 4e répétition générale au foyer culturel de Sarreguemines. Le groupe est composé de 16 personnes et chacun a participé à l'écriture de la pièce sortie du tableau. Ça s'appelle une création collective. On est parti d'une idée, d'un tableau qui s'appelait Suzanne et les vieillards. On a pris ce point de départ parce qu'on trouvait que la jeune fille qui était coincée entre les deux vieillards, c'était pas top. Ben dans notre pièce, elle va s'échapper du tableau. La pièce raconte donc la fuite de la jeune fille Strella, poursuivie par plusieurs sombres personnages. L'écriture de la comédie a débuté en septembre et s'est achevée fin décembre. Les comédiens se sont séparés en plusieurs petits groupes. Par exemple, pendant que l'un écrivait l'histoire du tableau, un autre créait les personnages. Les répétitions ont commencé en même temps que l'écriture de l'histoire. On a répété depuis le mois de septembre. On joue une scène, on la cale, on écrit le texte, on la répète, on passe à une autre, etc. etc. Quand tous les textes sont connus, on fait un week-end, on va assembler le tout pour peaufiner la mise en scène, les changements de décor, etc. Et là maintenant, on est dans la partie où il faut qu'on donne du rythme à la pièce, il faut que le jeu s'affirme, que les complicités se confirment aussi, se mettent en place. Là maintenant, on peaufine, quoi. Parce que ce n'est pas tout de savoir le texte, ce qui compte, c'est de jouer. On retrouve tout au long de l'histoire des clins d'œil à des auteurs, à des lieux ou encore des clins d'œil musicaux. D'ici la première représentation, il y aura encore deux répétitions générales.